Je fais partie du comité d'organisation de la conférence des femmes leaders du Bénin. Cette conférence, nous avons pour thème comment la femme doit impacter sa communauté. Ça fait des années, j'aime pas faire le sport, mais quand nous étions venus ici, j'avais fait le sport. J'étais en pleine forme. Je remercie le Seigneur pour cela. Mais après le sport, nous faisons aussi la dévotion matinale. J'étais très ébahie. Après cela, nous allons suivre les enseignements. Et le rôle, on nous a enseigné beaucoup de choses sur le rôle de la femme d'impact auprès de ses enfants, de sa famille et de sa communauté. It's an joy seeing that many countries coming together, women from various countries coming together in order to learn at the master's feet. Ce que j'ai retenu qui est essentiel pour moi, c'est de commencer par impacter ma maison, surtout mon mari, mes enfants, avant de penser à aller impacter, n'est-ce pas, ma communauté tout entière, c'est-à-dire le voisinage et les autres. La conférence du Bénin a été spéciale parce que c'est une conférence nationale, mais finalement on a vu que c'est devenu une conférence régionale parce que beaucoup de pays se sont présentés, tels que le Togo, le Nigeria, le Cameroun, la Mauritanie. Et c'était magnifique. Voir, en écoutant les femmes, c'était un épanouissement pour elles parce que beaucoup d'entre elles ne se sont plus épanouis comme ces trois jours, par exemple dans la danse, dans le sport et dans les causeries. Beaucoup d'entre elles n'ont pas eu l'opportunité d'être entre femmes. Une des choses qui m'a marqué, c'est le comité d'organisation qui a organisé cette sortie hier soir où nous avons visité les coins, n'est-ce pas, touristiques du Bénin. C'était vraiment formidable. Ce fut vraiment une grâce pour moi de participer à cette conférence des femmes leaders. Ce fut vraiment un moment très alléchant, très interactif. Cela m'a permis de rencontrer d'autres femmes du Bénin et des autres pays aussi de la sous-région. Ce qui m'a vraiment marqué, d'abord d'ensemble, le programme est vraiment alléchant. On a gagné en tout et précisément aussi au niveau des jeux. Cela a été vraiment une conférence qui a cette particularité-là, voir des moments en train de jouer sur le terrain, vraiment, et ces jeux-là quand même nous amènent à nous préparer quand même pour notre cité céleste. Par exemple, quand on prend le jeu de la vitesse, on constate qu'on doit être rapide, on doit être éveillé. Quand on prend le jeu dans la cale, l'écureuil dans la cale, cela prouve qu'on ne doit pas se laisser distraire par les choses de ce monde et savoir que le diable rôde autour de nous et qu'on doit être prêt pour l'enlèvement.
What impresses me most was to see that we all met together. We've never met, but we became like one. And coming together have really been a thing of joy, knowing that women have risen up to the task of going back to their communities in order to impact their communities. Conférence des femmes leaders du Bénin a été un moment vraiment challengeant. Nous avons passé de très bons moments. Les enseignements furent très riches. Nous avons vu des mamans vraiment enthousiastes pour une première expérience et quelqu'un qui ne s'est jamais pris. C'était pas facile, mais soit rendu à Dieu qui nous a assistés et qui a permis que toutes les femmes à la fin sont reparties avec un bon souvenir et le sourire aux lèvres.